Good morning, allez, Iden, les Yusra, aujourd'hui, le Lunishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ainsi que leur fête Avram Uri ben Rehout, et Odaya Fortuné Batrana Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishna, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Zevachim, Perek Yud Alef, Mishna Bet. Chatat Psula Endama Taoun Kibus, Ben Shayala Sheat Akosher, בן שלא היה לה שעת הכושר. איזו איש היה לה שעת הכושר של ענה ושנטמעה ושיצא. ואיזו היא שלא היה לה שעת הכושר שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה ושיבלו פסולין וזרקו את דמה. On continue avec l'halakha très particulière qu'on a découvert déjà hier à partir de Psukim. D'ailleurs, on a qu'à rouvrir le pasuk pour mieux expliquer une insistance du pasouk, une certaine lourdeur d'où on déduit une halakha très importante justement. On parle de quoi dans ces mishnayot? On va parler d'un korban khatat, c'est une halakha spécifique au khataot, que lorsqu'on en a reçu le sang du khatat, et que avant d'aller l'asperger sur le misbéach, ou au lieu de l'aller l'asperger, ce sang il a giclé sur un vêtement, et bien la Torah l'a donné d'halakha très particulière, spécialement sur le khatat, en nous disant que la tache de sang maintenant qu'on a du khatat, elle doit impérativement être lavée bemakom kadosh, être lavée dans la hazara, ne pas sortir à l'extérieur de la hazara. D'accord? Pourquoi j'insiste que c'est une halakha assez originale? Parce que on ne considère pas que le sang qui se trouve sur le vêtement, qu'il est encore existant concrètement. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de sortir du sang du misbéach. Si toutefois le sang, il a sa, ouais, du sang même d'un shlamim, même de n'importe quel korban, si le sang est arrivé sur un vêtement et qu'il a séché en tout cas, donc on ne peut plus le récupérer, il a perdu son statut de sang. Pour les autres korbanot, je n'ai pas d'obligation de le laver à l'intérieur de l'azara. Donc j'aurai le droit de prendre ce vêtement et de le sortir. Je ne considérerai pas que je sors son sang. Parce que le sang, il était sang, aujourd'hui il n'est plus sang, il a séché. Pour le khatat spécifiquement, la Torah l'a donné cette halakha très originale, en me disant, malgré tout, même si le sang n'a plus un statut de sang, malgré tout, l'interdit de le sortir reste encore en vigueur, tu dois nécessairement le laver tout de suite et faire sortir le vêtement une fois qu'il sera propre. D'accord? On va ouvrir tout de suite le pasuk maintenant pour apprendre une halakha très importante. On était dans Perek Vav, Mishnah Chaf, pasuk Chaf. Perek Vav, donc on est dans Parashat Tzav, dans le Promage Vaikra, avec pasuk Chaf, on aura l'occasion de parler de cette halakha dans la suite du perek, un aliment qui absorberait du goût d'un khatat, que igdash, que l'autre aliment prend aussi un statut de khatat, on expliquera de quoi on parle. Et pour le moment, on est sur la deuxième partie du verset. Vacher ize midama ala beged. Et si de son sang sera éclaboussera, de son sang sur le vêtement, achérisé aléa, regardez la lourdeur, que le sang aura giclé sur lui, techabes bimakom kadosh, il faudra laver ce vêtement dans un endroit saint. La Torah a insisté beaucoup en me disant que du sang du khatat qui aura giclé, qu'il aura giclé sur elle, achérisé midama aléa, achérisé aléa. Il y a une insistance de ce verset. Et c'est là, autour de cette halakha, que va tourner les deux premières Mishnayot, justement, pour définir, pour expliquer que quoi? Que la Torah a donné cette halakha particulière de laver le sang uniquement du sang qui était en direction du Mizbeach, et qu'au lieu d'arriver au Mizbeach, il était apte, et on avait une mitzvah d'aller l'asperger au Mizbeach, et avant de l'asperger au Mizbeach, il a éclaboussé une personne. À exclure tout sang qui ne peut pas monter sur le Mizbeach, à exclure tout sang qui est déjà monté sur le Mizbeach. Ouais, on parlera dans, par exemple, le cas très simple, Asher Ize Velo Shei Huza, c'est le chant de la Gemara, de la déduction du verset. Le sang qui sera aspergé sur le Mizbeach, mais pas le sang qui a déjà été absorbé sur le Mizbeach. On apprendra par exemple dans la prochaine Mishnah qu'une fois qu'on a fini de verser, d'asperger le sang sur le Mizbeach, en le donnant sur les quatre coins du Mizbeach, même si encore une mitzvah, de verser les restes sur le socle du Mizbeach, et bien malgré tout, si le sang s'asperge sur un vêtement, on n'aura plus d'obligation de laver le vêtement. Il n'y aura plus cette mitzvah de laver le vêtement dans la hazara. D'accord? Et idem, d'accord?
Pour notre Mishnah, maintenant, on va pour le moment prendre l'aspect plus facile de la chose, en expliquant que si tu as, en un mot, si tu as égorgé un khatat, tu te retrouves dans une situation où ce sang ne peut plus être aspergé. Pourquoi ? Parce qu'il a été invalidé depuis le début, parce qu'il a été invalidé par la suite, peu importe. Puisque ce n'est plus un sang qui est en direction du misbéach, il ne pourra plus être aspergé. De ce fait, si tu te l'éclabousses sur ton vêtement, tu n'auras plus la mitzvah de laver le vêtement. D'accord ? C'est clair ? Regardez maintenant, on va faire tout ça dans les mots. Concrètement, on va parler de deux situations. De Korban Khatat invalidé. Je préfère introduire, comme ça une fois qu'on va lire, on n'aura plus besoin de se arrêter. C'est-à-dire, je récapitule pour le moment, le chidouche essentiel de la Mishnah, c'est de m'apprendre. Sache que ce que je t'ai dit, que lorsque du sang, du khatat, va gicler sur ton vêtement, que tu devras laver le vêtement, cela n'a été dit que lorsque le vêtement, lorsque le sang, il est apte à être aspergé sur le misbéach, et il y a eu une fausse route, il a éclaboussé sur tes vêtements. Mais si le sang n'était pas en direction du misbéach, tout d'abord, parce que le korban khatat, il était invalidé, alors le sang qui aura giclé de ce khatat sur ton vêtement ne donnera plus cette mitzvah particulière d'être lavé par Khatzer ou le Moed. Tu n'auras plus d'obligation de le laver. D'accord ? Ça c'est un. Et maintenant, la Mishnah va rentrer dans plus de détails en me disant qu'on va parler de deux situations de korban khatat invalide. Il y a celui qui était invalidé au moment de la shkita, qui n'a jamais été kasher. Et il y a le korban khatat qui a été kasher, mais qu'au lieu de l'asperger, on a traîné. On l'a ensuite rendu invalide. Par exemple, on l'a égorgé, on était en train de faire le khatat, et puis d'un coup, le korban a été impurifié. Donc, on ne peut plus maintenant asperger ce sang sur le misbéach. Il n'y a plus de mitzvah à l'asperger sur le misbéach. Dans ce cas-là, si ensuite ce sang va gicler sur le vêtement, tu n'auras plus besoin de le laver dans le khatser, le moed, dans la cour du Bet HaMikdash. D'accord ? On fait tout ça dans les mots. Khatat psula, en dama taun kibus. Si tu as un korban khatat qui a été invalidé, eh bien, son sang n'aura plus, ne requerra plus d'être lavé. Ben sha'ayala she'ata kosher, mais bien qu'il s'agisse d'un korban khatat qui a eu un moment où il était apte à monter sur le misbéach, mais qui a eu ensuite un court-circuit, et puis tu ne pourras plus le faire, ou qu'il s'agisse ben shelo ayala she'ata kosher. Ou encore, bien sûr, s'il s'agit d'un korban khatat qui n'avait pas du tout la possibilité de monter sur le misbéach. She'at akosher, un moment où il était kasher, où il était apte, un moment propice, littéralement. Donc, bien, même qu'il s'agisse d'un korban khatat qui a eu un moment où il était apte à monter sur le misbéach, ou qu'il n'a jamais été apte à monter sur le misbéach. Et la Mishnah de nous expliquer, Eizoi she'ayala she'at akosher, qu'est-ce qu'un korban qui avait un moment où il était apte à monter sur le misbéach, mais qu'ensuite il s'est emmêlé les pédales et il ne pourra plus monter. Par exemple, She'lana, qui a eu la nuit qui est tombée, le korban khatat, le sang du khatat, il fallait l'asperger nécessairement avant la tombée de la nuit. Il a trop traîné pour l'asperger, la nuit est tombée, et il n'a toujours pas aspergé son sang. Ce sang-là, il est plus apte à monter sur le misbéach. D'accord ? Donc, s'il touche un vêtement, il n'y a plus besoin de laver le vêtement, bechatser ou elmoed. Ou encore, veshenit mea. Ou encore, si le korban khatat a été impurifié. Ça, c'est délicat. Venons, on va prendre un cas très violent, le cas où tout le korban il a été impurifié. D'accord ? Il y a des petites Rebecca Weiger qui soulèvent le problème. Ah, ça dépend s'il y a le tzitz ou il n'y a pas le tzitz. On ne va pas entrer dans les détails. Il a été impurifié, donc tu ne peux plus apporter ce sang sur le misbéach. Veshayatza, ou encore qu'il est sorti. D'accord ? Shayatza, donc on parle par exemple que le sang il est sorti. Il est sorti du Khatzar El Moed. Arrêt. Depuis le moment où on a égorgé l'animal, il fallait réceptionner le sang et ensuite partir l'asperger. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris ce sang et on est sorti en dehors de la Hazara. Erreur de parcours, on est sorti en dehors de la Hazara, il a été invalidé pour monter sur le misbéach. De ce fait, s'il va toucher le vêtement, il aura besoin de laver le vêtement. Ve'ezoi shelo yala she'at akosher. Et quel est un korban khatat qui n'a jamais été apte à être offert sur le misbéach depuis le moment où tu l'as égorgé? Il a été mal égorgé, tu as fait une grave erreur. Par exemple, si tu l'as égorgé en dehors, avec intention de dépasser les limites de temps ou d'espace, d'accord,
limite de temps. Donc une nuit, la journée et la nuit qui suit. Et toi, tu as eu l'intention de le manger pendant 2 jours, ce corban, au moment où tu l'as gorgé. Donc elle était pigoule, bien sûr, comme on s'en rappelle tous, des premiers prakim. Ou encore, Vichut Simkoma, il a eu l'intention de manger le corban khatat à l'extérieur des remparts du Beth Amikdash, mais dans tout Yerushalayim, par exemple, que c'est bien sûr invalidé. Donc il a rendu invalide le corban. En l'occurrence, si toutefois, ensuite, donc il a gorgé, il s'est trompé, il a gorgé le réceptionnel, le sang, ce sang se fait asperger sur un vêtement, ouais, il éclabousse sur un vêtement, et en plus, on a lavé le vêtement, Bechatsa ou El Moed, dans la cour de la tente d'assignation. Vécheki Bloup souligne, ou encore, un autre corps, tout simplement, un corban qui a été gorgé comme la halakha le requiert, mais qui a eu une personne pasoul, invalide, qui est venue le réceptionner, qu'il s'agisse d'un Israël, qu'il s'agisse d'un Cohen qui n'avait pas qui ne portait pas ses vêtements, qui était lui-même impur, d'accord, tout ce qu'on avait appris dans le, je crois que c'était Périmet. Vécheki Bloup souligne, et un problème dans la Mishnah, je traduis et j'explique très rapidement ce qui se passe. Ve zarku et dama. Ou encore, ça se rapporte sur le mot psouline, sur les personnes qui étaient invalides. Donc, vechiki blou psouline, que des gens qui n'étaient pas aptes à faire le service ont réceptionné le sang. Ou encore, ve zarku et adam, qu'ils ont aspergé le sang sur le misber. C'est-à-dire, je récapitule ce qui se passe là maintenant. Il y a un problème dans cette halakha, je vais vous l'expliquer. Je veux d'abord bien le mettre en scène de quoi on parle. On parle donc. La Mishnah, on va prendre les deux cas de figure, les deux derniers cas de figure. J'ai égorgé le Korban Khatat. Et pour réceptionner le sang, il y a eu quelqu'un qui n'était pas apte, un Kohen Baal Moum, qui avait un défaut, qui est venu qui réceptionnait le sang. Ce sang-là, il n'est pas apte à monter sur le misber. Donc, si toutefois, tu l'asperges sur un vêtement, tu n'auras plus besoin de te laver. Ou encore, il y a eu un Kohen Kacher qui est venu réceptionner le sang. Mais ensuite, il y a eu un Kohen qui n'était pas apte à faire le service. Il avait peu qui portait pas ses vêtements, par exemple du Kohen Gadol, du Kohen Ediot, il avait des autres vêtements. Il a réceptionné, il est parti l'asperger sur le misber. Et alors la Mishnah m'enseigne en me disant, ben, si tu vas voir ce sang qui va être aspergé sur tes vêtements, alors tu n'auras plus besoin de laver ton vêtement. Il y a un problème technique, très embêtant, c'est que, en l'état, même si c'était un Kohen Kacher qui aspergeait le sang sur le misber, on a bien insisté tout à l'heure, quand on a introduit le sujet en disant qu'une fois que le sang a été aspergé sur le misbar, on n'a plus cette mitzvah de laver le vêtement. Donc, qu'est-ce que tu as gagné en me disant « Bezarku et Dama » Suite à cela, ouais, si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas très grave. Suite à ça, le Bartanor a dit qu'il faut effacer cette partie-là de la Mishnah, d'accord. Et il y a le Tosafot Tov qui rapporte une interprétation de Tosafot, comment malgré tout expliquer. On a soulevé le problème, on a posé la directive, on peut s'arrêter là. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol, Tuv, Salah.